Bien-aimé, glorifie le Seigneur. Bien-aimé, remercie le Seigneur pour ta guérison. Remercie le Seigneur pour ta délivrance. Je déclare maintenant que la tension te quitte au nom de Jésus. Je déclare maintenant que l'hypertension te quitte au nom de Jésus. Je déclare maintenant que le cancer te quitte au nom de Jésus. Je déclare maintenant que le diabète te quitte au nom de Jésus. Je déclare maintenant que toute maladie incurable te quitte maintenant. Toute maladie qui a un nom te quitte maintenant. La Bible déclare, tout genou fléchi au nom de Jésus. Toute maladie qui a un nom fléchit au nom de Jésus. Toute maladie qui a un nom au nom de Jésus. Je déclare maintenant que toute maladie qui dérange tes enfants est anéantie et détruite au nom de Jésus. Je déclare à tes enfants en meilleure santé au nom de Jésus. Je déclare tes enfants en meilleure santé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Que la meilleure santé soit ton partage. Que la meilleure santé soit le partage de ta famille. Personne ne souffrira d'une quelconque maladie dans ta famille. Tu ne seras pas les clients de pharmacie. Tu ne seras pas un habitué de pharmacie. Tu ne seras pas une habituée de pharmacie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu descende maintenant. 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 Expérimente la guérison divine. Expérimente la guérison divine maintenant. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimé, déclare avec moi, je suis guéri. Déclare, je suis guéri. Déclare, je suis guéri. Je suis guéri. Déclare, je suis guéri. Au nom de Jésus. Déclare, je suis guéri. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Quelle que soit la maladie qui te dérange. Quelle que soit la maladie qui les dérange, Je déclare que tu es guéri dans le nom de Jésus. Je déclare que tu es guéri dans le nom de Jésus. Alléluia. Père, nous anéantissons l'origine de toute maladie. Nous anéantissons l'origine de toute maladie. Père, quelle que soit l'origine de la maladie dont souffre mon frère maintenant. Quelle que soit l'origine de la maladie dont souffre ma sœur maintenant. Nous déclarons que cette maladie est terminée. Nous déclarons que cette maladie est anéantie dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Reçois ta guérison maintenant. 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 Ta guérison vient de Jésus. Ta guérison ne vient pas d'un homme. Ta guérison vient de Jésus. Ta guérison vient de Jésus. Ta guérison vient de Jésus. Reçois ta guérison maintenant. Expérimente ta guérison maintenant. Expérimente ta guérison maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je déclare que tu vas bien dormir ce soir. Oublie la maladie qui t'a dérangé. Oublie la maladie qui t'a dérangé. Ne l'appelle plus ta maladie. Ce n'est pas ta maladie. Ne l'appelle plus ta maladie. Cette maladie appartient au passé. Cette maladie appartient au passé. Jésus-Christ est mort sur la croix afin que toi tu sois guéri de toute infirmité.
afin que tu sois guéri de toute maladie. Dans le nom puissant de Jésus. Remercie le Seigneur maintenant. Remercie, dis merci Seigneur, tu m'as guéri. Merci parce que tu m'as guéri. Merci parce que tu m'as guéri. Alléluia. Bien aimé, je poursuis en lisant le verset 17. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Écoutez bien maintenant les Seigneurs. Alléluia. Gloire à Jésus. La main de Dieu est sur toi maintenant. La main de Dieu est sur toi maintenant. Jésus disait, ta foi t'a sauvé. Jésus disait, ta foi t'a sauvé. Ce soir, nous disons, ta foi t'a guéri. La tension ne te dérangera plus au nom de Jésus. Toute maladie ne te dérangera plus. Les maux d'estomac ne te dérangera plus. Le diabète ne te dérangera plus. Les maux de tête ne te dérangera plus. Dans le nom puissant de Jésus, quelle que soit la maladie qui te dérange, cette maladie avait un nom. Et cette maladie a fléchi au nom puissant de Jésus. Ésaïe chapitre 54, je lis au verset 15e. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Bien-aimé, il y a des complots qui étaient faits contre toi. Dans le monde des ténèbres, il y a des complots contre toi. Ils ont même pris ta photo et ils manipulent ça, bien-aimé, contre toi. Mais aujourd'hui, nous déclarons que leur complot est nul et sans effet au nom de Jésus. La Bible dit, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Bien-aimé, je voudrais renchérir aussi dans Actes des Apôtres, chapitre 2, 35. Papa Moutebapé nous lire Actes 2, 35. Nous sommes toujours dans la même lancée. Actes 2, 35. Actes 2, 35. Oui. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen. Verset, vous êtes à quel verset? 35? Verset 35. Commençons au verset 34. Verset 34. Je dis, acte 2. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même. Mm-hmm. Il dit lui-même. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, mm-hmm, toi à ma droite. Mm-hmm. À ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Jésus-Christ est notre Sauveur, notre Seigneur. Amen. A fait de ses ennemis son marchepied. Ce Jésus-là habite en toi ce soir. Ce Jésus-là habite en toi. Amen. Tes ennemis seront ton marchepied. Bien-aimé, nous déclarons, nous prions tous ensemble. Que tout complot forgé contre toi sera sans effet. Et tes ennemis seront ton marchepied. Prions le Seigneur. Bien-aimé, quel que soit l'ennemi qui te dérange, cet ennemi peut être le coronavirus. Cet ennemi peut être n'importe quelle maladie. Cet ennemi peut être la stérilité. Cet ennemi peut être n'importe quelle maladie. Cet ennemi peut être tout ce que le diable a mis en toi. Bien-aimé, désormais, cet ennemi devient ton marchepied. Cet ennemi devient ton marchepied. Cet ennemi devient ton marchepied. Bien-aimé, le marchepied, c'est ce qui aide quelqu'un à monter. C'est ce qui aide quelqu'un à aller de l'avant.
Je déclare ce soir que tes ennemis t'aideront à aller de l'avant. Tes ennemis t'aideront à monter. Tes ennemis t'aideront à voir la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tous les complots qui sont faits contre toi, nous les déclarons sans effet dans le nom de Jésus. Nous les déclarons sans effet au nom de Jésus. Nous les déclarons sans effet au nom de Jésus. Tous les complots faits contre toi sont sans effet maintenant. Bien-aimé, quel que soit le temps que ces complots aient eu lieu, nous annulons ces complots dans le nom de Jésus. Toutes les réunions qui sont faites contre toi, nous les annulons dans le nom de Jésus. Bien-aimé, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu iras de l'avant. Tu verras la gloire de Dieu. La promesse de Dieu se réalisera dans ta vie. La promesse de Dieu se réalisera dans ta vie. C'est là au nom de Jésus. C'est là au nom de Jésus. Bien-aimé, quel que soit le nombre de tes ennemis, quel que soit le nombre de tes ennemis, bien-aimé, ils tomberont sous ton pouvoir. Ils seront ton marchepied. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Parce que la Bible déclare, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux ce soir. Oh, les anges de Dieu sont des myriades et des myriades. Les anges de Dieu sont des milliards, des myriades. Ils sont avec nous. Ils sont avec nous. Tu ne tomberas pas. Tes ennemis tomberont sous ton pouvoir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Bien-aimé, je déclare sans effet. Toute arme qui a été forgée contre toi. Oyo nyonso batchana libumunayo. Ezali sans effet na pokwa lelo. Oyo nyonso batchana nzoto nayo. Eza sans effet au nom de Jésus. To annulé. Bien-aimé. Oyo nyonso batchana katinayo. Bien-aimé, la Bible dit, la Bible déclare, à la croix de Golgotha, Jésus-Christ a annulé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Bah, condamnaient-ils dans le monde à ténèbres.